Et on se lève, et oh mon Dieu, on doit boire. Et on se lève. Bienvenue dans notre survie. Donc, on a pas mal de choses à faire. On va laisser ça à l'intérieur. Là, on a du bois. On va prendre ça, ça. On va prendre quelques charbons. Oh, c'est beaucoup. Ok, on est parti. Donc il fait encore un peu jour. Donc notre but, si on l'accepte, c'est d'aller récupérer le lapin qu'on avait vu en arrivant en fait, qui est normalement pas loin. Et après on va continuer notre exploration de la mine. On va continuer notre petite exploration. Par contre, je voudrais récupérer des cailloux parce qu'on va pas chasser ça. J'allais dire à l'arbalète. Oui, on va pas chasser ça à l'arbalète, c'est ce qu'on n'en a pas, mais on va surtout ne pas chasser ça à l'arc. Ça serait trop bien d'avoir une arbalète, vous imaginez? Je regarde s'il n'y a pas des objets genre derrière les panneaux et tout. Ouais, il y a des cailloux ici aussi. Okay. Alors, on l'avait vu là-bas, le lapin. Pas très loin, normalement. Je crois qu'il faut regrimper. Ah, il fait pas froid du tout. Ça, c'est bien, ça. Il fait pas froid du tout. Est-ce qu'on aurait un endroit à explorer? Honnêtement, je crois que la mine... La mine, c'est un cul-de-sac, on est d'accord. Il y a la mine. Enfin, on sait pas si c'est vraiment un cul-de-sac, la mine, en elle-même. Mais je veux dire l'endroit où il y a la mine. On peut pas aller nulle part, il y a rien à faire. Non, ça. Donc, je me demande, est-ce que y aurait pas un autre chemin? Ouais, il est là. Où on peut, genre, chasser quelque chose. Ouais, ne va pas utiliser des pétards pour le lapin, ça va l'exploser, il va en avoir partout. Je sens qu'il va être un problème. Ou pas. J'ai rien dit. Très bien. C'est con parce que ça... Non, j'ai cru qu'elle allait prendre le... Bah non, on l'a pas sûr. Ah non, là, je... Bah si. Pourquoi elle veut plus... Marrant ça. Là, elle veut le prendre. Bizarre ça, bizarre. Donc là, on a une grotte. Est-ce que on n'a pas un endroit où on peut chasser? J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas l'impression, on est d'accord. Je crois que c'est mort. Ouais, je crois que c'est mort ici en fait. Hein. On n'est pas. Comment dire? Il n'y a pas. Il n'y a rien. Genre, il n'y a strictement rien. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Le truc qu'on va devoir faire, du coup, c'est. Alors déjà cuire le lapin en espérant qu'on ait au moins 1 kg de viande, qu'on ait au moins 500 calories, un truc comme ça. Et on va devoir... Bon, déjà on va taper sûrement dans les massettes. On n'a qu'une vingtaine, c'est bien. Ah, donc on va devoir taper dans les réserves de thé et tout ça. Ça c'est moins drôle. On va devoir après aller aux toilettes souvent. Ah 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 ah, drôle.
Eh oui. Non, mais c'est un peu embêtant là. Qu'est-ce que ça doit faire mal aux mains? Je déteste voir cette animation. Ça doit faire tellement mal aux mains de descendre des racines comme ça à main nue. Oh mon Dieu. Genre, il n'y a aucun endroit pour chasser. Genre, strictement rien. Je regarde s'il n'y a pas d'autres plumes. C'est affolant quoi, il n'y a strictement rien. Genre trois lapins, tu m'as pris pour un oisillon, c'est ça? Genre je mange pas beaucoup. Avec trois lapins. Non mais. Quoi que j'entends. On entendait des pouic-pouic. Come on, little fire. Des Come pouic-pouic, non? Genre comme s'il y avait encore des. Oh mon Dieu, tu vas pas dans le feu. Des pouic-pouic de lapin, non? Ou c'est moi qui deviens fou. Par contre, on va faire ça. Alors attendez. Faire ça. Le temps que je récupère. Mon Dieu, il n'y a rien à manger. Aïe 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 aïe. 24 minutes. Ah oui, non. J'allais dire, j'ai pas fait ça. Je fais attention. Ok, c'est bien. Ouais, non, là c'est pas drôle parce que on va perdre notre bonus si ça continue. On va vraiment perdre notre bonus, ça va m'embêter. Après, ouais, est-ce que c'est grave? Bah ouais, on perd 5 eau potable, eau potable. On va perdre 5. Peut-être dur comme c'est 9 minutes. On va juste déposer la peau et tout ça. Alors oui, enfin, c'est 5 kilos max qu'on va perdre. Donc oui, c'est embêtant quoi. J'avais mis là. C'est embêtant, j'ai pas envie de perdre ça moi. Après, est-ce que ça va nous foutre dans la merde? Le seul gros problème qu'on va avoir en fait de perdre les 5 kilos max, c'est pour les cordes. C'est vraiment pour les cordes. Et là, en fait, je sais pas du tout si on peut, genre, repartir par la mine. Si on doit prendre la corde, faudrait surtout ne pas perdre ces 5 kilos max. Parce que sinon, on va être dans la merde. Donc ouais, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Ouais. Ah oui, on avait dit qu'on voulait prendre des torches aussi. Ah tiens, cool, on a récupéré d'autres baies. Là, on peut en faire deux maintenant. La dernière fois, on pouvait en faire qu'un seul. Eau potable, eau potable. Cuire ça. Ça. Donc, alors on va voir un peu. Donc là, ça va en faire deux de plus. On a encore 5 là, 5 là. On peut à la limite. Parce que moi, je préfère. Comme d'habitude, hein, j'essaye toujours d'avoir des réserves. Donc, ça serait 5 et 5. Ça serait 10 et 10, pardon. En réserve. Donc, on va dire qu'on en a 10. Du coup, on en a 5 et 5. Donc, on a 10, 10 de surplus, j'ai envie de dire. Ça nous ferait 125
de calories en plus. Donc en gros, c'est 10 massettes. 10 massettes. Ouais, non, ah, putain, les massettes, je pensais que c'était 120, c'est 150. Ouais, ça ferait 10 massettes moins en fait. Donc ça ferait 8 massettes, un truc comme ça. C'est pas énorme, énorme. Non, non, on est dans la merde. Non, non, je continue à. Je continue à le dire, on est dans la merde. Ça va, c'est bien. Je vais voir un peu. Et on fait le plein de. De torche aussi. On va voir ça. Non, non, on est bien dans la merde, c'est cool. Il reste combien à faire? Encore 3-3. Toi, tu vas. On va virer celles qui sont à genre à 21%. On va essayer de. Parce qu'elles sont lourdes, hein, c'est 0,30 à chaque fois. Hein. Donc, il faut pas exagérer non plus. Parce qu'on a le sac de couchage à aller récupérer. Hein. 22 aussi. On va essayer de garder celles qui sont à, dans les 30 degrés. Je sais pas comment avoir des grosses torches genre dans les 30 degrés, dans les 30%. Je crois qu'il faut augmenter la chaleur. Je crois. Why didn't that work? T'as pas voulu boire parce que t'avais pas soif, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est... C'était bizarre. Genre, pourquoi ça a pas marché? Parce que peut-être tu l'as pas bu? C'est quoi ta question? Genre, pourquoi ça a marché? Oh bah alors, mais c'est bizarre, ça a pas marché. Oui, c'est parce que t'as pas bu. T'as tout mis à côté. Non, je déconne, on l'a pas perdu le truc, mais... Ah, voilà, là on a une belle torche. Là, on a une mauvaise torche. Là, on a une torche moyenne. Là, bof. Vous voyez, petit à petit, comme ça, ça marche, hein. Puis après, on fait un train de torche, comme d'habitude. Et hop, on perd. On n'utilisera pas notre lampe. Ça va être pas mal. Voilà. Et je crois que c'est les derniers. Je crois. Encore 1-1. Allez. Encore 1-1. De l'eau. De l'eau, on n'en a pas beaucoup du coup, parce que... On va garder une petite, juste au cas où. Parce que pour faire du feu, c'est plus facile d'avoir des brindilles, comme d'habitude. Voilà, c'est pas mal ça. Ah, bien! Ah, on est plein de ressources, hein, quand on est dans le pétrin. On se débrouille. 28. 30, 30. C'est pas mal, là. C'est pas mal. Même la 28, j'aurais pu la garder. Bon, je crois qu'on arrive à notre fin. 1-1. Ouais, on arrive à la fin. Et on va faire notre exploration. S'il faut, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Ok.
Genre on va trouver plein de nourriture. Peut-être. Ou peut-être pas. Ah bien. Ouh bien. Très bien. Voilà. Ah là je suis content là. 30, 30, 30, 30, 34, 37, on a du 48, 47. Ah, c'est très très bien. Là c'est très très bien. Je pense que là on peut... ouais, je pense qu'on peut y aller avec ça. On va être à 47... Non, 48 avec le sac. Attends, c'est prêt. Oui, 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 je sais. Non, même 48, 49. Là. On va être proche des 50 avec le sac. Mais c'est pas grave. J'ai encore du bois à poser, donc ça va. Le ça, on s'en fout. L'accélérant, on s'en fout, en fait. L'accélérant, ça sert à rien. L'accélérant, ça sert à rien. Parce que nous, on n'en a plus vraiment besoin. Donc ça sert un peu à rien. Du coup... Allez, c'est parti. Alors attendez. Voilà. Et on a deux bouts. On est à 44. Ok, on est prêt. C'est parti. Allez, 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 allez. Je vais juste voir... Calories, on est comme ça. Ok, on va boire un coup d'un truc chaud. Parfait. Et on est parti en aventure. Let's go! Et c'est là qu'on a une belle aurore boréale, que tout s'allume et qu'on se fait électrocuter. Ramasser. On est à 47. Pour l'instant, on va laisser tout ça là. On a récupéré une bombe sur nous. On n'a pas les... On a laissé les... comment ça s'appelle ? Oh la vache, ça tremble encore. On a laissé... Je dois aller où moi déjà? Je m'en rappelle plus. Ah oui, non, c'est pas l'endroit qui part là, l'endroit qui fait peur. Ouais, c'est là, je crois. On a laissé les nautiques. On a trois nautiques qu'on a laissé. Honnêtement, j'espère... le truc là, que... En fait, la chose que j'espère là, maintenant, c'est de trouver un autre endroit, en fait, qui fasse connexion avec la mine. Parce que... Mon dieu. Parce que... genre se retaper la corde à chaque fois pour aller récupérer ce qu'on a laissé, ça serait un peu chiant. Donc c'est où l'ascenseur? Non, l'ascenseur c'est là-bas. Attends, par contre on va changer de torche déjà. Ça, ça va rendre fou par contre. Être un peu sprinter sur les endroits qu'on connaît. Ok. Alors comment ça marche? S descend. Ah ok, on peut. Z, monter. Oh mon dieu, la torche. On va mettre combien de temps à se... On va mettre combien de temps à descendre?
Bah après on est super haut hein, dans la montagne, donc c'est peut-être normal. Floor 3, ok. Oh mon dieu, il fait noir de chez noir. Ok. Alors là j'appelle ça de l'aventure perso. Là c'est fun. Là j'appelle ça de l'aventure. Okay. Bon, rien ne s'est cassé. On est déjà venu ici ou pas? Non, je me serais rappelé d'une grotte. Genre qu'on l'aurait vu autre part, vous voyez ce que je veux dire? Genre l'entrée de la mine. Toxique gaz, danger. What? Charbon. On va prendre un charbon, 47. Il y a du gaz toxique. Ah mais c'est vrai en plus. Oh attends, attends. Nettoyer l'embout de valve à ouvert à air. Qu'une poignée de valve dans l'inventaire. Mais je la trouve où ta poignée de valve? Oh là là. Une fois n'est pas coutume, donc on va faire une petite pause et je vais expliquer en fait ce qui se passe. Je voulais tout simplement avoir un texte à l'écran, mais je préfère expliquer de vive voix. Donc, après avoir édité l'épisode et tout ça, j'ai compris en fait plus tard que ce sont donc des arrivées d'air pour respirer qui sont déjà ouvertes. Alors, sur le coup ça paraît simple, après beaucoup de gens vont me dire « Oui, mais tu sais, parce que tu n'as pas fait l'épisode et tout ça. » Je ne devrais pas avoir fait l'épisode en fait pour comprendre les mécaniques de la survie. La survie et les épisodes en fait sont séparés. Ça se passe même pas vraiment au même moment, je crois bien. Je crois que la survie est censée se passer après les événements des épisodes de l'histoire. Donc je ne devrais pas avoir fait en fait les épisodes pour vraiment comprendre. Alors ce que je reproche en fait à ce passage là, c'est que le jeu me dit qu'il faut une valve en fait pour interagir avec l'arrivée d'air. Et je pense que le jeu en survie ne devrait pas me dire ça, ne devrait pas me dire aucune poignée de valve dans l'inventaire. Ce message ne devrait pas exister parce que ça me... En fait, ça porte à confusion. Ça me laisse penser en me disant que je dois sûrement interagir avec et il faut trouver une valve. Et c'est ça, c'est un problème. Alors après l'épisode, bien sûr, je suis allé vérifier, il n'existe pas de valve en mode survie. Donc c'est seulement et simplement en mode histoire. Donc voilà, je voulais expliquer ça un peu plus clairement. Après vous allez voir le reste de l'épisode, comment j'ai réagi et ce que j'ai fait. Mais voilà, donc en gros, voilà, c'est nettoyer l'embout de valve à air ouvert. En fait, bon, il n'y a rien à nettoyer, tout a déjà été fait. Et l'embout est déjà ouvert et tout ça. Donc on a de l'air, de l'oxygène qui arrive dans les tuyaux. Et c'est bien de l'oxygène. Aussi, ça aussi, je voudrais un peu dire que l'oxygène qui arrive comme ça aussi fort... Non, ça me, moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est du gaz, c'est du genre du gaz toxique ou voilà, quelque chose de néfaste, hein, tout simplement. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit de l'oxygène qui arrive comme ça à haute pression, parce que c'est un peu étrange quand même. Enfin bref, voilà, il y a plusieurs petites choses en fait qui m'ont un peu, on va dire, mis sur mes gardes, et surtout qu'on est en intrus, et si jamais ça se passe mal et qu'on meurt, ben on meurt, on perd le run. Donc voilà, je pense qu'ils auraient pu rajouter, enfin on va dire, modifier la chose pour le mode survie et rendre la chose plus agréable pour ceux qui découvrent en fait en mode survie. Donc voilà, je voulais expliquer un peu ça de vive voix. Mais ouais, sinon, regardez la suite de l'épisode, c'est cool. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment pour cet épisode. Et voilà. Maintenant, j'ai interrompu l'épisode, désolé, mais on va continuer. En tout cas, merci de continuer à regarder cette série. C'est reparti. C'est quoi ce truc ?
Non mais je joue à Resident Evil ou à The Long Dark là, faudrait savoir. Bon, je suis en gros c'est que je suis dans la merde, tout ça. Si je passe le gaz toxique, je meurs. Ah mon dieu, c'est quoi cette histoire? Quelqu'un a vu une valve? En plus ça doit être une valve genre ronde là, en rouge. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Moi j'ai rien vu en haut. Hein. Pas descendre. La merde alors. On a fait tout ça pour rien. Ah bah. Ah la déception quoi. Je sais pas si je m'arrête entre deux étages, je peux rien faire. Ah la déception! Genre la valve, il faut la trouver ailleurs? Après là il y a cet endroit là. J'avais l'impression qu'on pouvait prendre la corde mais il n'y avait pas de d'indicatif en fait comme quoi on pouvait faire quelque chose. Genre je peux faire un autre chemin, enfin je peux faire le chemin qu'on a fait la dernière fois et voir si on n'a pas loupé un truc. Oh ça me... Oh non, je suis déçu, mais d'une force, j'ai envie de passer dans le gaz quoi. Tu peux pas retenir ton souffle et juste passer? Putain, tu vas voir qu'il faut... Merde, je suis dans l'eau, fais chier. Genre, je suis sûr qu'il faut genre trouver la valve ailleurs. Je suis tellement sûr de ça. Tellement sûr de ça. Moi j'ai envie de tester, hein, de passer de force. Je vais être honnête. Hein. Ça va pas nous tuer instantanément quand même, si. Ah, je sais pas. Genre là, non, il y a strictement rien à faire là. Genre ici. Non, non. On le voit en bas là. Ah mais il est dans le gaz. On dirait ça bouge. Ou il est dans l'eau. On dirait du gaz. Si on balance une torche, ça explose. Bah mince alors. Bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on se casse. Merde alors. Ouais non. Bah on va redescendre les cordes et puis on va retourner vers la prison. Je vois que ça et maintenant on connaîtra le chemin pour aller ici. Et puis on trouvera quelque chose d'autre à explorer. Ah comment je suis déçu.
on trouvera quelque chose d'autre à explorer. Ça fait chier de se retaper les cornes. Ah là là, avance. Ah, ça fait vraiment chier. Faut qu'elle dorme un peu, faut qu'elle se repose. C'est con, hein, c'est vraiment con ça. Oh là là, comment je suis déçu. Comment je suis déçu. Mais d'une force. Je... Ah là, c'est... La déception totale. Hein. Là, on était parti en aventure et tout. Ben voilà, elle est belle l'aventure. Il n'y a pas une valve ici. J'ai envie de casser ces caisses juste au cas où elle serait à l'intérieur, mais ça m'étonnerait en fait qu'il fasse ça. Ici c'est l'ouverture, on la voit à l'extérieur. Bon. Bon. Du coup, faut qu'on dorme. Faut qu'on dorme un coup. Et après, on va redescendre parce que de toute façon, on va être, on va avoir des problèmes après. Enfin, on a des problèmes de bouffe. Donc déjà, on sait qu'il va falloir, récupérer de la nourriture et vite. That didn't work. Genre tu perds. Bah, on est à 500 calories. Non, ça marche, ça marche. Juste parce qu'elle a pas froid, elle a pas, pardon, elle a pas soif. C'est juste ça en fait. Oui, ma sœur. On va dormir, on va sortir, on va partir de cet endroit. Alors j'ai envie de dire, est-ce que la manivelle, on la prend avec nous ou pas? Je sais pas. Nous on est ici, le dernier espoir. On va redescendre. Ah, peut-être qu'on peut aller voir là. Je sais pas si on peut aller voir là. On va voir. On va visiter un peu. Merde, c'était pas une heure que je suis dans. Pardon. Je vais dormir un tout petit peu plus longtemps quand même. Voilà. Vous savez quoi? C'est peut-être une très mauvaise idée. Vous savez quoi? On va y retourner. Alors, hop. C'est sûrement une mauvaise idée. Mais j'ai pas envie de partir. Parce que honnêtement, arriver à cet endroit pour juste partir, ça va me frustrer. Donc c'est parti. Allez. Non, c'est pas par là. Je devrais utiliser les torches. C'est pas grave, on s'en fout, on avance. On va sprinter. On va passer par le gaz.
je... Non. De toute façon, ça va pas me tuer instantanément, ça, ça non. Est-ce que ça va nous empoisonner? J'en sais strictement rien, sûrement. On va voir. Ça va nous, sûrement nous faire des dégâts. C'est pas grave. On va se débrouiller. C'est là-bas. Parce que je trouve ça débile en fait là. Donc on y va. On va voir ce que ça fait. Allez, on descend. On va voir ce que ça fait. On est aventureux. On est un aventurier ou pas? Hein? Si, allez, parti. Ça va me coûter mon run, ma connerie, je sens. Je sens que ça va me coûter mon run. Et ça sera le dernier épisode, voilà. L'épisode final. Allez, floor 3. Très bien. Toxique gaz, danger. Ça va être marrant. Ok, alors respire bien. Allez, 1, 2, 3. D'accord. Cool. Bah c'est pas toxique du tout en fait, c'est quoi ce... Quoi cette arnaque? Oh. Allez, il est juste là le sac. Tu vas me dire qu'il faut faire le tour. Ah, fais chier. Doucement, doucement. Bon, on a un chemin derrière nous, hein. Un chemin vers l'élévateur. Là. Vers le. Comment ça s'appelle? Le. Ascenseur, ascenseur. Je vais dire élévateur à chaque fois, parce que c'est en anglais, parce qu'on n'arrive pas de lire des panneaux où il y a écrit ça. Mais gardez en tête que c'est l'ascenseur. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On avance. J'aimerais bien me bouger un peu les fesses. Enfin non, honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de se bouger trop les fesses maintenant. Vu qu'on a... Hey! Sac à dos. Yes! Merci. Merci, merci. Il n'y a strictement rien, c'est cool. Donc là on va se bouger les fesses pour revenir par contre. Donc tu vas me dire qu'on a fait ça pour rien? Genre il y a strictement rien, c'est ça que t'es en train de me dire? Genre il y a zéro récompense? Dans cette mine? À part l'aventure en elle-même? J'évite quand même le gaz, on sait jamais. Hein. Attends. Ah, ça par contre. Ok, ça, là par contre, si. Là par contre, ça fait un peu plus peur. Ok. Secondes. Trente secondes. Ah.
Ok, remonte. Monte, 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 monte. Monte, 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 monte. 10 secondes avant. Normalement, on devrait être bon parce que le gaz avait pas l'air d'être très haut. Guérison, risque d'étouffement. Ok, on est bon. Ah! Ouais, là, ça fait un peu plus peur. Dès qu'il est vert, le gaz, c'est autre chose. Ok, doucement. Attends, attends, attends. Tour 2. Donc ça, l'ascenseur qu'on voit là, qu'on a là, c'est l'ascenseur qu'on a vu d'en haut, qui était complètement dans le gaz, c'est ça? Genre là-haut. Ah ok, donc on l'a débloqué, je pense. Merde, c'est pas ça que je vais faire, désolé, j'ai éteint la lampe. Bon, c'est pas grave, je voulais regarder l'inventaire. Je voulais voir en fait si elle avait des dégâts ou pas. Non, non, elle a pas de dégâts, d'accord. Donc elle a tenu bon. Ok, cool. Cool, j'ai eu tellement peur pendant une seconde. Peut-être que ça s'entendait pas dans ma voix, mais j'étais en train de dire, merde, putain, on va vraiment perdre l'aventure. Genre, ouais, on va vraiment, vraiment perdre le truc. Aïe, 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 aïe. Ok. On est bien, alors. On est bien. Ah, la vache, ça fout un peu les boules. Donc, maintenant, là, on est bon. Là, on a débloqué cet ascenseur. On peut revenir par là. Ouais, donc le risque... Ok, ça va, j'ai capté. Désolé, je parle beaucoup parce que c'est un peu stressant. C'est un peu stressant, tout ça. Mais c'est... Là, ok, là, c'est refun. Là, c'est refun, ça va. Est-ce que je veux regarder s'il n'y a pas des objets, en fait. Vous savez, l'eau, il faut pas... Faut pas se mouiller les pieds, comme ça on mouille pas les fagotins, on s'en fout. On mouille pas les vêtements. Je les ai mis à l'envers, mais est-ce que ça, on s'en fout. Enfin, je crois qu'on s'en fout. Ah, elle est où ma lampe? Ah. Toujours ce petit bug, hein, quand on va dans l'inventaire, on perd la lampe. Oh la vache! Oh que c'est grand! Oh mon dieu! Bon, il nous faudrait une sortie déjà. Alors, on va essayer de se bouger un peu les fesses. Ah, je crois qu'il y a quelque chose derrière la boîte. Non, non. Je vais voir. J'ai cru voir un truc derrière la boîte. Ah non, c'est le bois. Ok. Ok, là, bon, là je suis content. Là, j'avais tellement pas envie de repartir. Oh, j'avais tellement pas envie de repartir de la mine. Je me suis dit, au pire, si ça nous fait des dégâts, c'est pas grave. Genre, on y va. Ok, donc on a un lit, une torche. Oh, yes! Dis-moi que c'est ça. J'ai trouvé le sac à dos que je cherchais. J'imagine que tu vas bientôt arriver et lire ce mot. Le code de l'atelier est probablement 3445. On se retrouve à la porte et on entrera dès que les lumières reviendront. Il faut juste que j'aille vérifier quelque chose en bas. Ok. Yes! C'est ce qu'il nous fallait. C'est ce qu'il nous fallait. Ça y est, on a eu notre truc. Oh, yes. Yes, yes, yes. Torche à 100%, parfait. Si ma lampe elle tombe à 50%, je crois que je vais craquer une allumette pour utiliser la torche à la place. Fais voir s'il fait jour. Ah oui, on peut voir. Ah, on peut descendre. Oh, ok. Et là, ça sert à quoi d'aller là? Ah, rien. Alors attendez, on avait un chemin ou pas? Je me rappelle plus déjà, il faut que je me concentre parce que sinon on va tourner en rond. Genre là il y a quoi? On va rallumer. Ok, on a du charbon encore. Il me faut juste de la bouffe en fait.
Ah non, là c'est pour retomber. Ok. On est bon, on est bon. Bon, là-bas c'est pour la sortie, on retourne sur l'ascenseur, on est d'accord. Donc c'est tout. Alors attendez, avant de partir, on va... je sens que cet épisode va durer longtemps. On est à 45-50, ça va. On va faire ça. Voilà. On est bien, on est bien, on est bien. Bon, pour l'instant, le problème, c'est qu'on a zéro sortie. Enfin, si, 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 on peut reprendre l'ascenseur et on monte. Donc, c'est pas très grave. Oh mon dieu. Alors, le mec, apparemment, est descendu. Enfin, de ce que dit la note. Hein. Il est descendu, il est quoi? Il en est mort? Oh, c'est quoi ça? Poudre à canon. Bon, bah, voilà, bah c'est fini. Bon, on a fini notre exploration, c'est ça? C'est déjà ça? Tombe pas. Ok. Alors, on va revenir en arrière. On va un peu sprinter par contre, parce qu'on connaît le chemin. Sert un peu à rien de faire ça, honnêtement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et puis on est en intérieur, on va se réchauffer direct. Juste pour montrer genre, ah, vous voyez, je connais un peu le jeu, hein. Je connais comment ça marche. Donc au final, on va vraiment devoir quand même reprendre les cordes. Bah merde alors. Et là on est... Ouais, où c'est qu'on avait laissé... On peut passer par direct... Ouais, non, on peut pas passer directement par là-bas. Okay. Pouh, mais quelle aventure. Quelle aventure. Bon, il va falloir faire un choix là sur quoi prendre. Parce qu'on est lourd. Et il va falloir qu'on se bouge les fesses aussi parce qu'on a faim. Mais bon, on a encore, je crois, une dizaine de massettes. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Faut juste qu'on descende les cordes avant de perdre notre bonus. C'est surtout ça en fait. Puis après on se débrouillera. Je pense que ça va être la fin de notre épisode. Je pense pas que je vais commencer à descendre les cordes maintenant. Parce que ça va nous prendre un petit moment. Donc je pense qu'on va mettre fin à l'épisode maintenant. Peut-être ça fera encore un épisode un peu court, désolé. Mais au moins ça sera genre carré. Vous voyez ce que je veux dire? Là on a fait vraiment l'exploration de la grotte. On a eu un peu peur. On a failli crever. Ah oui, par contre, si quelqu'un sait... parce que j'ai pas fait l'histoire, moi. Le dernier épisode. Si quelqu'un est au courant, qu'est-ce que ça fait une fois qu'on arrive au compte à rebours, là? Lorsqu'on avait genre 50 secondes à peu près? Genre, que se passe-t-il? Est-ce qu'on meurt automatiquement? Ouais, genre, comment ça se passe? Par contre, je veux prendre ça, ça. Non, non. Ça aussi. Honnêtement, je crois que cet endroit, on va jamais y revenir. Parce que je vois pas vraiment l'intérêt d'y revenir. Si on réfléchit 5 secondes, le truc, il n'y a pas de sortie. De l'autre côté de la grotte, il n'y a pas de sortie. Il n'y a rien à faire. Pourquoi tu m'as enlevé ça? Ah oui, c'est parce que ça m'a enlevé. Ok, oui. Il n'y a rien d'autre à faire. Je crois qu'on jamais on y retournera. Bon, il y a beaucoup de charbon et tout ça qu'on laisse. Bah, c'est con, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave.
C'est honnêtement pas grave. Ah, cette musique. Je vais... Quand j'aurai fini l'épisode, quand je ferai la pause, je vais vraiment baisser la musique parce qu'elle me tape sur le système de plus en plus, en fait. Il y a le métal, la ferraille aussi, c'est 0,20. On va ajouter ça. Donc là, ça nous ferait 3 kilos de plus. Ça nous ferait... On dépasserait quand même les 6. 0,10. Ah oui, on a ça. On va remplir... Ravitailler. J'ai envie de dire, est-ce que la manivelle là, est-ce qu'on la prend avec nous ou pas? Parce que ici on va jamais y revenir. Donc en théorie, la manivelle c'est pour actionner un ascenseur. J'imagine que c'est que ici. Honnêtement, je suis à 99% certain que c'est que ici qu'on en a besoin. Mais vu qu'on on reviendra jamais ici, est-ce que ça vaut pas le coup de la prendre avec nous quand même? Vous voyez ce que je veux dire? Par acquis de conscience. C'est ça qui nous fout dans la merde, 0,50. On a du charbon, on va le jeter. Parce qu'il y a aussi la petite branche que je voudrais récupérer. Ça. La manivelle, on va la prendre avec nous quand même. On va quand même la prendre avec nous parce que j'ai envie de la prendre. Parce que si jamais on revient jamais ici, autant l'avoir sur nous. Et puis si jamais on veut la... Parce que si jamais on en a besoin, imaginons qu'on en ait vraiment besoin autre part. Vous imaginez la merde que c'est pour revenir ici? J'ai pas envie de le faire, moi. Bon, je pense qu'on est bon. Ah oui, on a toutes les torches aussi. Haha. J'avais un peu oublié ce détail. Là, on est à 40 kilos. Attendez. Pardon. Désolé, mais... Ok, là, si on a plus de 40%, on est à 40 kilos. Ramassé. On est à 43,88. Là, on sera encore en dessous des 45. Charbon 44. Ok, parfait. Ok, on est bien. On prendra la branche et on va pouvoir descendre sans problème. Voilà, parfait. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'était une belle aventure. C'était une très très belle aventure, honnêtement. J'ai eu un peu peur. J'ai vraiment eu peur de perdre mon run, en fait. Mais sinon ça s'est bien passé. Et la prochaine fois, donc on retourne. La prochaine fois on fait ça. Parce que nous on est ici. Non, on est ici. Donc on va retourner donc sur la glace. Je vais voir s'il n'y a pas des choses à découvrir. Mais je crois qu'on a fait le tour, hein, dernier espoir et tout ça. Il y a plein de montagnes et c'est tout détruit. Donc je pense pas qu'il y ait quelque chose à voir là. Mais ce qu'on va faire, bon là sur le flanc de la montagne, là il n'y a rien à faire. On avait vu qu'il y avait des reishi, tout ça, on les a pris. Donc je crois que c'est fini. Donc on va descendre et après on va suivre le long de la rivière jusqu'à tomber ici pour retourner directement vers la prison. Et peut-être faire la photo Blackrock si on peut. Mais surtout il nous faut de la bouffe. Surtout il nous faut de la bouffe. Donc on va directement retourner sur la prison. Voilà. Il fait encore début du jour. On va dormir 6 heures. Et on va y aller. Ok, ça marche? Ça sera ça pour le prochain épisode. Ok, je suis content. Ça s'est bien passé, j'ai eu un peu peur. Mais voilà, dites-moi si jamais ce que ça fait, le gaz. Je voudrais voir si ça nous tue d'un coup, ou alors est-ce que notre vie commence, genre, à baisser petit à petit. C'était assez impressionnant, en fait, le fait d'avoir du gaz toxique. C'était assez sympa, je trouve, ce système-là. Mais bon, ça fait partie de l'épisode, j'imagine. Mais moi, j'ai pas fait l'épisode, donc je sais pas. Donc je découvre en même temps que là, maintenant, que ce que je fais là. Donc c'est assez intéressant pour moi. Mais je suis content d'avoir forcé, le gaz. Enfin, c'est une sorte d'arrivée, mais en final, c'est juste de l'air qui sort. C'est pas du gaz toxique, donc ça va. Mais ouais. À la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.